Voilà, je laisse la parole à Seji et puis je vous souhaite une belle matinée. Merci Stéphane et merci de m'avoir accueilli dans ce festival. Merci à vous tous d'être là. J'espère ne pas vous endormir. Certains... Et nous allons faire un voyage sur le territoire français, dans sa géographie et dans son histoire. Et je vais, en fait, aujourd'hui balayer un certain nombre de sujets plutôt que de rentrer dans le détail. Parce que si j'entrais dans le détail, il me faudrait à peu près une heure par site, donc en gros 50 heures. Raison pour laquelle il me limite à une heure. Et dans ce balayage, vous allez voir que nous allons retrouver des sujets qui ont été, des sujets et des lieux qui ont été évoqués hier. Alors je m'y arrêterai peut-être un petit peu plus, parce que j'ai monté un diaporama qui me permet d'être non pas lié à une succession de diapos, mais d'aller choisir en fonction de ce qui a été dit par les précédents intervenants. Donc vous me verrez peut-être de temps en temps un peu me balader dans mes diapos pour retrouver celle qui correspond à un sujet d'hier. Alors, dans cette juste petite précision, c'est que les deux prénoms, c'est Christophe Jean. Et tout le monde m'appelle Jean-Christophe. Alors, évidemment, c'est habituel. Donc, vous gardez les initiales, CJ, ça va aussi bien. Et c'est un prénom, pour ceux qui connaissent la musique classique d'un chef d'orchestre japonais, CJ Ozawa. Et c'est très bien parce que CJ, en japonais, ça veut dire l'homme qui cherche. Et en l'occurrence, vous l'avez constaté par vous-même, et peut-être que je suis aussi un homme qui trouve. Allez, c'est parti. Et donc, ce que je vais vous présenter... sont deux œuvres que je considère merveilleuses et complètement chargées de mystère, donc elles ont leur place dans cette journée, dans ce festival. Mais avant d'introduire ces deux œuvres, je vais vous faire part de mes dernières découvertes. Ça, c'était pour le cas où certains d'entre vous auraient déjà connu mon site et mes travaux, et donc ils n'auraient rien appris de neuf aujourd'hui. Donc je vais leur faire part de nouveautés, ce sont des choses que j'ai découvertes il y a à peine quelques jours, voire quelques semaines. En fait, les deux œuvres dont je vais vous parler sont composées d'un certain nombre d'alignements, dont on va en retrouver cinq sur ceci. Mais là, vous en avez une douzaine, et toutes ces lignes-là ont un point commun, c'est qu'elles ont été tracées pour la plupart d'entre elles au Moyen-Âge, une qui est un peu plus récente, mais peu importe, et elles font toutes, en mesure du Moyen-Âge, 150 lieues communes. Chaque région avait sa lieu qui mesurait une distance différente, et donc évidemment pour s'y retrouver quand on passait d'une région à l'autre, il y avait une lieu commune. Et je vous dirai quelle était la distance de cette lieu commune, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Les lignes bleues sont des lignes qui correspondent à des lieux de pèlerinage. Vous avez ici la ligne qui va jusqu'à Notre-Dame de Fenestre, à la frontière italienne, c'est dans les montagnes. Et c'est un lieu de pèlerinage qui est dû à une Vierge noire ramenée, on en est sûr, par les Templiers. Cette ligne-là, c'est Notre-Dame d'Utel, également un lieu de pèlerinage, donc dans les Alpes, lié évidemment à Notre-Dame également. Là, alors là, je continue dans les bleus. Celle-ci, c'est un lieu de pèlerinage qui date également 13e, 14e. Il s'agit de Saint-Maximin à la Sainte-Baume, qui est quand même assez connu. Donc une relique, a priori, on dit que ce sont les reliques de Marie-Madeleine. Cette ligne bleue-ci, c'est également un site de pèlerinage marial, Bétaram, à une vingtaine de kilomètres de Bourg, lieu de pèlerinage qui date également de 1200. Donc on est au début du 13e. Il y avait un point commun, tous ces lieux-là sont installés au début du XIIIe siècle, ce qui va nous donner des indicateurs sur les responsables. Les lieux en orange, au milieu, ce sont trois châteaux qui devraient vous dire quelque chose. Montségur, au lieu du martyr des cathares. Perpertuse, considéré comme château cathare, qui n'en est pas un, mais qui est quand même dans la zone. Et Salvaterra, beaucoup moins connu, mais dont je vous reparlerai après, parce qu'il est fondamental dans ce que j'ai découvert. Voilà pour ces trois lieux aux lignes jaunes. Les lignes vertes sont des lieux naturels. Celui-ci très connu, il s'agit du Bugarache. Bugarache, vous savez, ceux qui étaient les nuageux qui attendaient la fin du monde, c'était le grand rendez-vous au Bugarache en 2012. Et là, ça s'appelle la chambre d'amour. C'est une grotte.
qui est à Biarritz, à Anglet exactement. C'est pas un lieu religieux, c'est un lieu profane, mais qui a une légende autour de deux amoureux. Et donc, on va dire une grotte. Les deux lignes rouges, ce sont également deux grottes. Vous avez la grotte de Massabielle, Massabielle Lourde, et vous avez la grotte de La Sainte-Baume. Donc là, on commence à voir un paysage tout à fait intéressant, c'est symbolique. La Magenta, elle est plus récente, mais il s'agit aussi d'un lieu, pas vraiment de pèlerinage, mais dans lequel le Dalai Lama est venu, Ama est venu, le pape n'est pas encore venu, mais ça s'est retardé. Il s'agit du monastère Saint-Michel du Var, qui est un monastère orthodoxe, mais qui a la particularité d'être œcuménique et d'accueillir régulièrement des gens de l'islam, des gens du judaïsme, des gens du bouddhisme. On a là vraiment une configuration de ces deux. Et alors le point commun, un petit détail près, parce que là, on va dire à 6 km, j'ai arrondi, mais toutes les autres sont à 150 lieues communes. Et 150 lieues communes, pour ceux qui sont capables de calcul mental rapide, je vous laisse me donner la réponse. 666. Affirmatif. Toutes ces lignes-là mesurent exactement 666,6 km. C'est, excusez-moi, le point d'origine, c'est le Louvre, le parvis. Ah, exact, bonne remarque. Il y a, vous voyez qu'à l'origine, il y a des petits décalages. La plupart de ces lignes partent de l'île de la Cité. On verra tout à l'heure de façon un peu plus précise, parce qu'il y a différents endroits dans l'île de la Cité. Celle-ci, et ainsi que Saint-Maximin à Sainte-Baume, c'est la basilique Saint-Denis. La basilique Saint-Denis, je vous rappelle que c'est le tombeau des rois de France. Historiquement, il y a des raisons que ce soit la basilique Saint-Denis, mais on va rentrer dans des détails qui me prendraient les 50 heures. Et les autres, c'est soit l'île de la Cité, soit quelques centaines de mètres de là, la cour carrée du Louvre. Ce sont donc tous des lieux qui ont à voir avec la royauté française. Soit leur tombeau, soit le lieu d'exercice de leur pouvoir. Voilà. Très intéressant. Et donc, c'est 666 km, donc il y a 4 ou 5 de ces lignes, c'est des nouvelles découvertes. Mais maintenant, je vous parlais des découvertes un peu plus anciennes, donc que j'ai faites à partir de 2018, qui reprennent un certain nombre de ces lignes et qui vont en ajouter d'autres. Ça va donc donner deux œuvres, une que je nomme la Croix de Bière, ou Croix des Rois, parce que je l'estime réalisée par les rois capétiens, sous l'influence probable de Suger qui était conseiller de Louis VI et Louis VII, moine bénédictin, abbé de Saint-Denis. Voilà, on va faire le lien. Donc je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que Suger est celui qui a introduit l'art français, qu'on appelle aujourd'hui art gothique, à travers la construction de la basilique Saint-Denis. Donc on voit quelques toutes logiques architecturales, symboliques qu'on va trouver après. Et la deuxième œuvre, j'appelle la Croix de Lumière, ou Arbre de vie des Templiers, parce que c'est l'œuvre à coup sûr des Templiers, puisqu'il y a plusieurs lieux dont on sait qu'ils ont été créés par les Templiers, et la totalité des lieux, sauf un, à moins de 20 km, il y avait une commanderie, ou une maison templière, pas forcément une commanderie. Alors, vous voyez que ces deux œuvres, leur structure de base, y a une croix, et pour moi, ça m'amène à me dire, tiens, peut-être que ça explique ces deux croix-là qui sont une énigme dans une petite église de l'Aude, l'église de Serres, pas très loin de le château pour ceux qui connaissent cette histoire-là. Et ces deux croix ont été découvertes quand on a enlevé un crépi. Et on sait que c'est une église templière, parce qu'une petite croix templière, et dans l'histoire on la connaît. Et donc, ça interrogeait les gens, qu'est-ce que c'est que ces deux croix avec une seule branche horizontale pour deux branches verticales, que vous retrouvez plus ou moins sur le sceau templier. Et moi, je fais l'hypothèse que ces deux croix pourraient être un indice de ces deux croix qui ont été tracées sur la France. Puisqu'en fait, elles ont la même branche verticale, l'autre, enfin, une qui est plus courte que l'autre. Et nous allons donc rentrer un petit peu plus dans leur construction, dans leur structure. Puisqu'on a démarré avec le 666, on va y rester. L'ensemble des lignes que vous voyez là, j'ai mis les petites flèches, elles font toutes 666 km. Donc, on rentrera dans les différents points hein, qui les composent, mais c'est quand même assez hallucinant de voir comment c'est construit. Alors, nous avons évidemment donc les deux croix.
On verra que le masculin et le féminin sont présents dans les deux systèmes. Vous avez évidemment la présence d'un sceau de Salomon qui n'est pas parfaitement équilatéral. Donc là, erreur géographique, erreur géométrique, mais on verra qu'en fonction de la configuration naturelle et des lieux, il pouvait difficilement faire autrement. Donc, ce qui veut dire que, puisque les distances sur les côtés des triangles sont de 666 km, c'est donc la base qui ne fait pas les 666 km. Alors oui, pour ceux qui n'auraient pas compris que le 666 n'est pas le chiffre de la bête, précisons quand même, cette confusion vient de l'interprétation extrêmement mauvaise, voire malveillante, de chapitre 13, verset 18 de l'Apocalypse de Saint Jean, que je lis dans son détail. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le grand public a gardé le nombre de la bête, c'est 666. Non, il s'agit de sagesse, d'intelligence, de calcul, donc de mathématiques. Et on verra dans les recherches que tout ceci nous ramène à Babylone, Bagdad, et pourquoi ? Parce que le système de calcul babylonien, sumérien, a été sexagésimal. C'est-à-dire que ce n'est pas une base 1, 10, 100, c'est une base 6, 60, 600. 6 plus 60 plus 600 égale 666. Le 666 de Babylone représente la totalité. Et donc c'est le 1, c'est la réunion du tout. Raison pour laquelle Saint Jean nous parle évidemment de calcul, d'intelligence, de sagesse, sauf que Jean, à l'époque, n'étant pas chrétien, n'étant pas saint, mais étant juif, Babylone, c'est évidemment la bête. Évidemment. Donc, pour ceux qui auraient cru que le 666 était diabolique et que la France était marquée du sceau du diable, absolument pas. La France est porteuse du tout. Elle est invitée à unifier cet ensemble. Alors, le chemin de ce jour, j'ai donc différents chapitres. Et je vais en fait rentrer dans chaque chapitre sans aller dans toutes les diapos. Je vais essayer d'en choisir l'une ou l'autre pour rebondir sur des thèmes d'hier. La première partie du voyage, ça va être évidemment de décrire quand même un peu plus en détail la structure de ces deux œuvres. Et ensuite, je verrai quelques-uns des symboles qu'on peut imaginer avec ces deux œuvres. Donc ça, c'est interprétatif. Les lignes, les lieux, la structure, c'est purement factuel. Vous pouvez vérifier par vous-même. Là, je pars de faits. Évidemment, je suis allé vérifier l'histoire de tous ces lieux, l'histoire des personnages historiques de tous ces lieux. C'est extraordinaire. Vous avez là des indices majeurs pour prouver qu'il y a véritablement des intentions de marquer la France d'un symbole particulier dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, je verrai en quoi les interprétations que je fais, les symboles que je trouve, sont en fait des itinéraires initiatiques qui nous sont transmis par les anciens. Et là, évidemment, je rebondis sur l'intervention de Françoise Bonnardel, puisque cette transmission-là, le hasard m'en a fait le dépositaire, et à charge pour moi de vous la faire passer. Et donc à charge pour vous, ensuite, de faire la même chose. Mais c'est ce qui est amusant, et ça je ferai très très brièvement une intervention là-dessus, mais mes travaux antérieurs, en fait, j'ai été criminologue de formation, ce qui implique que je suis habitué à chercher des indices, à les mettre bout à bout, à les fouiller le plus possible dans les détails. Sauf que 12e, 13e siècle, c'est un peu plus compliqué d'aller enquêter, mais bon, on trouve quand même des éléments. Et par contre, avant de faire ces découvertes-là, et après avoir été criminologue, j'ai été psy, et j'ai été notamment maître de conf en psychosociaux en université, mais pas académiste pour rassurer certains, puisque je n'étais que contractuel, ce qui a permis à l'université, à la fin d'un contrat, de me dire « Monsieur, vous n'êtes peut-être pas tout à fait ce qui correspond à notre façon de penser. » Et donc néanmoins, en tant que contractuel, j'étais quand même en charge d'animation, d'enseignement, ce qui m'a obligé à conceptualiser un certain nombre de choses. Et comme j'avais le travail de vulgarisation, en fait, j'ai modélisé ma vision de la psycho, de la psychosocio, intégrant le développement psychologique et le parallèle avec le développement spirituel. Ce qui n'a peut-être pas dû plaire à l'université, en fait.
Et très étonnamment, j'avais à ce moment-là pas du tout d'intérêt pour les Templiers, un petit intérêt pour le symbolisme et pas autant qu'il s'est éveillé ensuite, mais j'avais travaillé beaucoup de schémas, de tableaux, et évidemment j'avais utilisé des symboles, dont notamment celui de l'étoile à 5 branches, l'étoile à 6 branches, mais avec des correspondances psychosociaux, mais on code. Et donc il se trouve que je retrouve ensuite, enfin, le hasard me permet de retrouver des étoiles dessinées sur la France. Vous voyez, une espèce de cohérence dans le cheminement, il semblerait qu'il n'y ait pas de hasard. Alors on va attaquer donc par la description des structures à travers ce que je nomme donc croix de pierre parce qu'elle passe par des monuments en pierre ou croix des rois parce que pour moi ce sont les rois capétiens entre Louis VI et Louis IX qui participent à cela. Alors donc, la structure, hein, vous voyez, une croix avec deux alignements de 666 km du côté. Au départ, dans ma première découverte, je pensais qu'il s'agissait de la grotte de Lourdes et de la grotte de la Sainte-Baume. Mais après, je dis, ça ne tient pas la route, puisque Lourdes n'est chrétien, n'est catho, que depuis 1858. On me dit, c'est pas possible, il y a autre chose. Et c'est là que j'ai découvert la présence d'un lieu de pèlerinage, Médaram, qui, lui, existe depuis 1200. Et alors, et de l'autre côté, nous avons donc Saint-Maximin la Sainte-Baume. Et Saint-Maximin la Sainte-Baume a été créé par Charles II d'Anjou, petit-fils de Louis IX, Saint-Louis, au moment où il y avait le procès en canonisation de Saint-Louis. Et donc, ce n'est pas tout à fait un hasard que ce soit avec le tombeau de Saint-Louis à la basilique Saint-Denis qu'on ait les 666 km. Ah. Et alors, vous voyez que non seulement il y a ces deux lignes diagonales qui nous mènent au féminin, Marie, Marie-Madeleine, mais vous avez également des distances de 666 km qui composent la structure de l'axe vertical. Et donc, de la base, jusque cette partie-ci qui est le début de la croix, nous avons les 666 km, j'y reviendrai, dans les deux lieux qui composent ça. Et de ce lieu-ci, jusque une prolongation, et cette prolongation a un sens, nous avons également 666 km. Vous voyez que la croix, c'est le trait jaune, le petit trait rouge, c'est la prolongation vers le nord. Je ne l'ai pas fait, mais la prolongation vers le sud nous mène exactement au château de Perpertuse, qui lui-même est donc à 666,6 km de l'île de la Cité. Pas le château exactement, mais flanc du château. Enfin, si vous vérifiez, vu si on arrondit à 666 km, on gagne les 600 mètres, donc ça va. Alors, voilà la prolongation en question. Tout ceci est bien entendu une scène de crucifixion. Vous avez le Christ, donc la croix, et les deux femmes de chaque côté. Donc en art classique, ce qu'on appelle une scène de crucifixion avec les deux saintes femmes de chaque côté de la croix. Vous regardez, pourquoi ? C'est donc celle qui est en bas de la croix. Elle s'appelle Mont-Salvi. Mont-Salvi, le mont du Sauvé. Mont-Salvi a été créé un peu avant. Je ne sais plus le nom de cet abbé, mais on est à la fin du Xe siècle, au début du XIe. Et c'était un lieu de sauveté, c'est-à-dire quand vous étiez poursuivi soit par l'Église, soit par la justice royale, si vous alliez dans ce lieu de sauveté, qui est une abbaye, la justice ne pouvait plus vous atteindre, vous étiez sauvé. C'était donc le Graal des délinquants. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand vous regardez dans la bibliothèque nationale, si vous vous intéressez à l'armorial de Charles VII, donc Charles VII, on est en 1430, hein. Mais il y a l'armorial c'est quoi ? C'est le répertoire des cartes de visite de l'époque. Eh bien, sur l'armorial de Charles VII, vous voyez la devise, ce qui accompagne en fait le blason de Tournemire. Le Tournemire, je reviendrai après Tournemire, de Mont-Saint-Denis. Donc le blason, ce blason est un peu différent, puisque nous avons les cinq roses, l'orbe et la croix, mais il est clairement indiqué dans ce document de 1439 que ceci doit se décrire. Ici, sur la terre, se trouve le pied de la croix du Christ. Clair, logique, on ne peut pas être plus clair. Or, à 666,6 de ce pied de la croix du Christ, nous sommes juste en dessous de Saint-Omer, qui est une petite bourgade, une grosse bourgade qui s'appelle Blandec, et le lieu dit s'appelle la croix. Ok, c'est bon, on a suffisamment d'indices pour se dire que là, il y a une vraie volonté. Quoi.
Et on est donc, pas exactement à Saint-Omer, mais Saint-Omer est évidemment un lieu extrêmement important. Ceux qui connaissent l'histoire templière connaissent le nom de Geoffroy de Saint-Omer, co-créateur des Templiers, avec celui qu'on dit être Hugues de Pin. Ça, vous irez voir mes vidéos, j'ai quelques doutes sur l'existence du Hugues de Pin. Mais là, il y a débat. Alors, on dit que les cinq roses du blason, ça c'est le blason initial de Mont-Saint-Louis, ça c'est le blason modernisé. Mais on a toujours les cinq roses et l'orme. Par contre, ils ont oublié la croix, ce qui semble être assez significatif de l'évolution de la France. Et donc, à l'époque où le christianisme avait encore sa place, on considérait que les cinq roses étaient les cinq plaies du Christ. Pour ma part, je peux imaginer, compte tenu du fait qu'il s'agit véritablement d'un message initiatique, qu'on parle de cinq étapes. Et ces cinq étapes, on va les retrouver dans les différents monuments qui composent l'axe vertical. Donc les cinq étapes correspondent à cinq moments initiatiques du Christ, des évangiles. Le baptême va correspondre à la cathédrale d'Amiens. Pourquoi ? Est-ce que vous savez, on a parlé de reliques hier et de l'importance des reliques. Connaissez-vous la relique qui se trouve à la cathédrale d'Amiens ? Il s'agit du chef de Jean-Baptiste. Le chef, c'est-à-dire une partie du crâne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, de Baptiste, donc pour moi je fais correspondre au baptême. Alors, vous voyez apparaître le Sacré-Cœur là. Le Sacré-Cœur est intéressant, c'est un, on en a parlé hier, mais vous allez me dire, le Sacré-Cœur n'a rien à voir avec le 12e et le 13e siècle, vous avez parfaitement raison, puisque la décision de le construire a été prise en 1871. Seul le monument religieux dont l'Assemblée nationale française a fait le choix de permettre la construction, la République française a permis l'expropriation, encore une fois c'est pas un hasard, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, et ça correspond à une étape initiatique qui est un peu oubliée, qui est la transfiguration. La transfiguration, c'est ce moment en fait, de l'illumination du Jésus des évangiles hein, qui monte sur le tabord et qui a à côté de lui Moïse, Élie, etc. Et c'est un phénomène qu'on a un peu oublié. Mais pour moi, la mosaïque qui est à l'intérieur du Sacré-Cœur, tout le monde dit que c'est la mosaïque de la résurrection. Pour moi, non, ça correspond à la transfiguration, parce que le lieu... Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'au moment où ça a été décidé, la construction du Sacré-Cœur, l'Assemblée nationale était à majorité orléaniste et légitimiste, c'est-à-dire famille royale, pour certains, pour les légitimistes, désirant encore le retour de la royauté, et pour les orléanistes, ok, on accepte la République, mais on assume quand même notre origine. Et le chef des orléanistes était le duc d'Aumale, qui a notamment fait cadeau à la République du château de Chantilly, qui a une grande carrière militaire, et c'est grâce à l'intervention du duc d'Aumale qu'il y a pu avoir l'expropriation des terrains pour construire à cet endroit-là précisément le Sacré-Cœur. Ce qui veut dire que le duc d'Aumale était le cinquième fils du prétendant au trône de l'époque, donc 1870, donc il n'avait pas droit au trône évidemment, mais il avait connaissance des messages de sa famille depuis à tout à fait un siècle. Et il savait qu'il manquait un lieu sur l'alignement. Et ce lieu-là devait correspondre à la transfiguration. Il devait se trouver entre Amiens et la Sainte-Chapelle. Donc Montmartre était le lieu tout à fait indiqué. Je viens de vous parler de la Sainte-Chapelle, elle est évidemment au centre de la croix. Sainte-Chapelle, terminée donc en 1248 par Louis IX, qui est l'écrin qui a un nombre de reliques concernant la couronne du Christ. Notamment, mais il y a une dizaine de reliques, donc la principale c'est la couronne, mais une dizaine de reliques qui concernent la Passion. Donc évidemment, la Sainte-Chapelle correspond à l'étape initiatique de la Passion, la souffrance qu'on évoquait hier, la mort de l'ego, évidemment. Nous allons passer ensuite à Bourges, la cathédrale de Bourges. Elle est décalée de 150 mètres par rapport à l'axe vertical. Bon, je n'ai pas compris les raisons, mais juste intéressant, il y a une famille. Bourges a été construite et financée par un évêque qui était la famille Sully, donc bien avant Henri IV. Et dans la même famille Sully, on a eu. Il y a deux Sully qui ont contribué à la construction de Notre-Dame de Paris. Le second Sully, c'est la même famille. Cette famille Sully a participé à différents lieux religieux qui ont complètement à voir avec ça. Et nous allons voir à un moment que la famille Sully, ce n'est pas du tout un hasard, parce qu'il y a une connexion avec l'origine des Templiers et ce qui implique la participation.
Ensuite, j'arrive à Tournemire, dont j'ai parlé tout à l'heure. Tournemire, c'est le lieu qui symbolise la résurrection. Tournemire, alors il n'y a pas de grande cathédrale, c'est juste une petite église, complètement paumée. Ce village est absolument extraordinaire. Il m'y est arrivé des choses hallucinantes. C'est une église qui date juste du retour de la première croisade, qui a été évidemment retravaillée, rénovée, mais à l'intérieur, pas du tout mise en valeur, dans un reliquaire en étoile d'araignée, dans un coin de l'église que j'ai du mal à trouver. Il y avait une épine dite de la couronne du Christ, dont il est attesté que pendant plusieurs siècles, chaque vendredi saint, elle rougissait. Alors, on dit qu'elle saignait, évidemment. C'est donc un lieu de pèlerinage local. Pourquoi il n'y a pas de grande cathédrale à cet endroit-là? Et pourquoi il n'y a pas de grande cathédrale à Mont-Saint-Louis? C'est tout simplement que les rois de France n'ont jamais réussi à conquérir ces deux endroits-là. Voilà. Alors, voilà pour la structure. Donc, évidemment, la Passion, la Crucifixion, point numéro 3. La Résurrection, c'est Tournemire. Tournemire. Change ton regard. Change ton objectif. D'accord? Et alors, Bourges, je t'ai dit, c'est la mise au tombeau, en fait. Bourges, c'est la mort. Pourquoi la mise au tombeau? Bourges, vous savez que c'est la cathédrale Saint-Étienne. Saint-Étienne, premier martyr. Le petit roi de Bourges, Charles VII, dont je parlais tout à l'heure, vous connaissez une héroïne guerrière française qui est liée à Bourges, Jeanne d'Arc. Donc Bourges est lié à trois condamnés à mort connus, qui, l'un d'entre eux meurt et l'autre non. Donc du coup, je le lis à la mise au tombeau. Et donc résurrection et l'ascension, l'homme divinisé, la nouvelle naissance, le passage à une autre forme de vie. Donc c'est un itinéraire initiatique. Purement catholique, purement chrétien, on va dire, donc catholiquement correct, voir que la deuxième œuvre n'est plus du tout chrétiennement correcte. Donc voilà l'ensemble. Je viens de vous décrire les différentes étapes, donc je ne vais pas y revenir. Je vais peut-être revenir quelques secondes sur Saint-Omer, ce qui est quand même un lieu important. Alors, le prolongement, c'est Grande Sainte, c'est Saint-Tinas en espagnol. Ou en latin, d'ailleurs, ça marche aussi, ce sont les bas-fonds. Donc ça ne fait pas partie de la croix, les bas-fonds. Donc en espagnol, c'est les eaux de cale d'un bateau, les eaux croupissantes au fond d'un bateau. Et en latin, c'est les bas-fonds, ce qu'on appelle les fonds de cale aussi. Et donc, on est dans la noirceur, les habits, c'est le trou noir. Et Saint-Omer, c'est le début de la croix, donc. Et c'est un lieu essentiel où il m'est arrivé également beaucoup de choses, des rencontres tout à fait improbables. Et pour moi, c'est le démarrage du chemin, c'est le début de la croix. Et vous avez dans la cathédrale de Saint-Omer des indices architecturaux qui permettent de valider ce que je suis en train de vous raconter. Dans chaque lieu, en fait, il y a des indices, soit dans les vitraux, soit dans ce qui est au sol, soit dans l'ordre des différents portails. Alors, je ne vais pas vous détailler parce que chaque lieu comporte un certain nombre de détails. Alors, je reviens à Saint-Omer. Saint-Omer, c'était pas une cathédrale à l'époque. C'était pas une cathédrale, c'était une basilique, d'ailleurs, c'était une grande église. Et l'église de l'époque était dans la capitale de la Maurigny, qui était Thérouanne. Ce sont des lieux que je connais bien parce que c'est ma région d'origine et que quand je voyageais pour aller à la côte en mobylette, je passais toujours par là. Et il se trouve que la cathédrale de Thérouanne, personne n'en a plus entendu parler. Tout simplement parce qu'elle a été rasée par Charles Quint au moment où il en avait ras-le-bol des guerres. C'était la frontière entre le royaume de France et le comté de Flandre. Et donc c'était toujours la guerre permanente. Et à un moment, Charles Quint, les gens de là-bas ont demandé le soutien à Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. Il dit, est-ce que vous pourriez nous libérer de ces Français qui viennent toujours nous piller? Et Charles Quint dit, ras-le-bol de vos conneries. De vos puérilités, comme dirait François Bonnardel, on va arrêter ce système-là, donc je rase la ville, vraiment au niveau du sol. Et aujourd'hui, vous allez sur le lieu de la cathédrale de Thérouanne, vous avez un lit de gravier, et on vous dit, ici était la cathédrale de Thérouanne. C'est très intéressant, parce qu'en fait, Thérouanne symbolise la traversée du désert. Saint-Omer, traversée de la mer Rouge, si on se réfère à l'Ancien Testament, ou traversée du Jourdain, si on se réfère au Nouveau Testament. La rivière qui passe là s'appelle l'Aa. Et donc, pour aller au début de la croix, on traverse l'Aa, Aleph, Aleph. Et on verra que l'Aa, on va la retrouver tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un rôle très important, c'est vraiment ce Aleph, Aleph. Donc, on la traverse, on arrive au début de la croix.
Et Saint-Omer, donc le lieu où Suger allait souvent se documenter, parce que c'était la plus grande bibliothèque à l'époque, l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer. Et donc Suger est très lié à Saint-Omer, et vous avez comme par hasard la statue de Suger devant les ruines de l'abbaye de Saint-Bertin, qui est un peu plus bas que la cathédrale actuelle. Bon, voilà. Alors, Saint-Omer, la naissance, l'incarnation correspondant à Noël, hein, et ensuite nous avons donc la on avance, sur la croix, axe vertical, la traversée du désert, ou le désert, et donc après le baptême, Amiens, etc., etc. Alors, je passe sur tout ça, je vous en ai parlé. On va décrire la structure de la croix de lumière maintenant. Alors, c'est là où je dis que j'allais un peu bidouiller dans mes diapos. Voilà. Évidemment, toujours la même distance, mais avec un nombre de lignes un petit peu plus important. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça marche aussi en question d'altitude. Comme c'est beaucoup plus antérieur, nous avons ici un dolmen. Dolmen dont on nous a dit hier qu'il ne s'agissait pas forcément d'un tombeau, ce qui était ma perception, hein. Mais donc un lieu sacré s'il en est. Et ce dolmen s'appelle le dolmen La Christiana, sans H. On l'appelle également Balma, donc Christiana, Balma en occitan c'est la grotte. Et ce dolmen, cette grotte, est à équidistance de la grotte de Lourdes, Massalienne, et de la grotte de la Sainte-Baume. La Christiana, en français on a traduit par grotte de la Chrétienne. Non. Il faut se référer, bien entendu, à Anna ou à Dana. Dana, qui est la grande déesse celte qui règne sur les abysses, le noir dont tout doit renaître. Intéressant, le noir dont tout doit renaître. Et que Dana ou Anna, c'est qui est devenu, bien entendu, chez les chrétiens. Sainte-Vierge. Ah non, Anna. Sainte-Anne. Sainte-Anne, voilà, la mère de la Vierge, bien sûr. Donc c'est la grand-mère du Christ, dans les évangiles, reliée à Marie d'un côté, Marie-Madeleine de l'autre. Vous avez les trois femmes. Et les lignes qui partent vers les trois femmes sont des lignes très intéressantes parce qu'elles passent par des points qui symbolisent le cheminement, on va dire, des abysses, l'œuvre noire. Il y a nécessairement, en démarrage féminin, on va passer par un point d'argile, la terre, les eaux saumâtres, Argelès d'un côté, par exemple, Orlu de l'autre, Orlu en basque, en berne, ce sont les eaux saumâtres également. Et ensuite, on va rencontrer le masculin. Donc, il y a des lieux hein, qui portent ces noms-là ou qui symbolisent ces noms-là. Et donc, il y a la rencontre masculin-féminin qui est symbolisée par le nom des lieux. Ensuite, on arrive à l'Aubrespy, qui est à 666 mètres d'altitude. Donc là, le dolmen à 652. Bon, un dolmen, on peut peut-être les excuser, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais donc l'Aubrespy, ça signifie l'aubépine, en occitan. Et l'aubépine, pour ceux qui le savent, c'est un arbre qui était planté systématiquement devant toutes les commanderies templières. Référence à Joseph d'Arimathie, etc. Dans mes aventures, en fait, j'ai découvert tout ça. Après un stage, pour faire rapide, de développement personnel, qui a travaillé sur les énergies féminines et masculines, de façon concrète et corporelle, et juste après ce stage, j'ai suivi mes intuitions, et c'est là que j'ai mis le doigt. Le hasard m'a permis de mettre le doigt sur tout ça, le hasard avec un H majuscule, par respect pour lui, évidemment. Et ce stage avait lieu très exactement dans un petit lieu de stage qui est à 150 mètres du sommet de l'Aubrespy. Donc le hasard m'a fait me retrouver à ce que vous allez découvrir comme étant la pointe de l'étoile à six branches dessinée sur la France. Très exactement. Et c'est à partir de ce point-là, de ce qui m'est arrivé concrètement dans mon cheminement personnel, que j'ai fait ces découvertes. Donc 666 mètres l'Aubrespy, on remonte un peu à différents croisements, on est encore à 666 mètres. On remonte encore au centre de l'étoile en question, on est à 166 mètres. Et là aussi, mon itinéraire personnel est parfaitement concerné par ce lieu-là. On arrive, donc Paris, non. Paris, il n'y a pas de 66 dans cette affaire-là. On arrive à un lieu dit, un lieu, un village, qui s'appelle la rue Saint-Pierre, à 66 mètres. Alors, ce qui est très amusant, Saint-Pierre, ça vous parle, les clés du paradis.
Vous regardez la photo satellite du village, c'est un village qui est très allongé, composé de deux parties. Vous avez sans problème la possibilité de dessiner une clé dessus. C'est assez extraordinaire. Évidemment, la rue Saint-Pierre se situe à 666,6 km du sommet de l'Aubrespy. Normal. Et tout en haut, on arrive très exactement à l'embouchure de la rivière dont je vous ai parlé tout à l'heure, la A. A, donc si on fait des correspondances, Abba en hébreu, le Père. Aïn Sofaor pour les kabbalistes, la lumière divine, pour faire simple. Aqua, l'eau. En langage local, Awa, la source. D'accord. Donc on a des références à ce qu'on appelle, tu veux, la source, la lumière, etc. etc. Et j'ai parcouru tous ces lieux sur la France plusieurs fois. Et un jour, avec une amie très liée à Saint-Omer, on revenait de Saint-Omer, justement. J'arrive à cet endroit-là très exactement. C'est le bord de la plaine, de la mer, sur la plage, qui est juste à côté de la centrale nucléaire de Gravelines. Donc là, on a la rencontre du feu nucléaire, du vent, parce que sur la plage de la mer du Nord, ça souffle, de la terre, et puis évidemment, de l'eau, puisque c'est la mer. Et à cet endroit-là, après avoir parcouru des milliers de kilomètres sur la France, j'arrive avec cette amie. Le village est à 2 km. On était le 25 novembre. Donc, le 25 novembre sur les mers du Nord, il n'y a personne. En fait, non, ce jour-là, il y avait un semi-marathon qui se déroulait sur la plage. Et en arrivant exactement à cet endroit-là, je tombe sur un poste de secours, tenu par qui ? Par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et donc, sur le dos des secouristes qui attendaient les semi-marathoniens, il y avait quoi ? La croix de Saint-Jean de Jérusalem, qui est aussi la croix templière. Alors ça, je vous donnais deux, trois des anecdotes comme ça, mais j'en ai 50. Ah. Je vous ai dit tout à l'heure que le centre de la croix, c'est la Sainte-Chapelle. Par hasard, ici même, je me suis trouvé assis à côté d'une guide de la Sainte-Chapelle. Voilà, bon, juste comme ça. Je suis poursuivi. Alors, et j'ai oublié Salvaterra, dont j'ai vu quelqu'un qui a opiné tout à l'heure. Salvaterra, qui a également la caractéristique de se trouver à 666,6 km de Paris, a en plus la caractéristique administrative d'avoir comme code postal 66 600. D'accord. Le village s'appelle Popoul. Donc le code postal, c'est 1972. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment les influences fonctionnent? Ça, j'en sais rien. Je ne me prononce pas. Moi, je constate. Ça, ce sont des faits. Et là aussi, il est arrivé des choses absolument hallucinantes. Et Salvaterra est un château qui a été construit par Jacques Ier d'Aragon, petit-fils de celui qui a construit le château de Perpertus, enfin, qui a fait du château de Perpertus qu'il est devenu après, que Perpertus a existé avant. Et Jacques Ier d'Aragon, qui construit un château à cet endroit-là, on se demande bien pourquoi, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui, pendant son enfance, a été mis en otage. À l'époque, vous savez, quand on se faisait la guerre, l'un qui perdait, bah, il mettait éventuellement sa femme, son enfant en otage. Et il a été mis en otage dans le roi de France. Et le roi de France, il ne veut pas m'occuper de ce gamin, moi je vais le confier à des gens de confiance, qui étaient évidemment les Templiers. Et donc ce sont les Templiers de Monzon en Espagne qui ont fait l'éducation de Jacques Ier d'Aragon. Et il se trouve qu'on va retrouver l'Aragon, évidemment, de façon assez proche dans toutes ces aventures-là. Mais pareil, ça c'est 50 heures nécessaires. Et donc, Salvaterra aujourd'hui, ce sont des ruines, mais ce sont des ruines qui sont assez chargées énergétiquement. C'est intéressant d'en faire le tour. Alors, on va évoquer les différentes extrémités. Donc je vous ai parlé de l'Aubrespy et de Nacristiana. Nacristiana, le dolmen, est situé à côté du Pertus, d'accord ? Anecdote amusante. Le dolmen Nacristiana se situe sur une montagne qui s'appelle la montagne Saint-Christophe, dans un village qui s'appelle Saint-Jean. Et je vous ai parlé de mes deux prénoms, d'accord ? Juste comme ça. Et ça s'appelle Nacristiana, et ma sœur s'appelait Anne, voilà. Bourges, dédié à la cathédrale Saint-Étienne, mon frère s'appelait Étienne. Bon, voilà, j'en ai comme ça un certain nombre. Hein. Et donc, je ne vous raconte pas comment j'ai mis la main là-dessus, ce sont des recherches sur carte, c'est des intuitions,
c'est des déplacements qui à un moment, en me déplaçant, voilà, je sens qu'il se passe des choses. Et donc du coup, j'interroge d'autres choses. Et puis à ce moment-là, bah, j'ai des petits indices qui viennent me confirmer dans l'histoire ou dans la réalité géographique les intuitions que je suis en train d'avoir. Et donc, je suis parti de l'intuition que la croix des rois, la croix de pierre, que vous avez vue, vous n'avez pas marqué parce que c'est trop loin, mais elle est bancale. Elle est bancale, ce qui fait que j'ai oublié de remercier celui qui m'a mis sur la piste de cette croix des rois, qui s'appelle Michel Christian Soulier, qui est quelqu'un qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Le Christ sur la France, qui lui a découvert cet axe vertical de la croix des rois. Mais il avait donc, j'avais vu il y a très longtemps une de ses vidéos très mal tournée, un son dégueulasse devant, un son déplorable, devant la cathédrale de Bourges. Mais j'avais eu le courage d'en regarder jusqu'au bout. Et je m'étais souvenu qu'il avait parlé de Mont-Saint-Denis et de Tournemire, et après donc, j'avais acheté son bouquin. Et par contre, la branche horizontale de la croix, lui, est très chrétien. Donc il s'est référé à la géométrie de la croix latine, ce qui veut dire qu'il a créé son axe horizontal un petit peu en dessous d'Amiens, et ça a mené à deux petites abbayes d'aucune importance. Mais au moins, elle était parfaitement perpendiculaire. Mais ces abbayes n'ont aucun sens. Et en plus, avec ce que je découvre, j'ai dit, lui s'arrêtait à Amiens, mais non, il faut monter plus haut, puisque j'ai mes 666 km, que lui n'avait pas trouvé. Et donc, arrivant à Saint-Omer, ma croix, elle a une autre proportion. Donc à ce moment-là, je dis, mais quelles peuvent être les extrémités de la branche horizontale? J'ai regardé la carte dans tous les sens, il y avait évidemment le Mont-Saint-Michel, incontournable. Et de l'autre côté, je me suis dit, bon, comme les distances sont parfaites, nécessairement, il y a une perfection dans la distance. Donc j'ai regardé de l'autre côté, vers la Lorraine. Et puis en Lorraine, je suis tombé d'abord sur un village qui s'appelait Secours. On dit Saint-Michel, en lien avec le Secours, ça peut le faire. Donc, au début, j'ai dit c'est Secours. Puis, après quelques semaines, voire quelques mois, je me suis dit, c'est pas possible, parce que Secours, il y a 2 km d'écart. Tout est trop précis pour qu'il puisse y avoir 2 km d'écart. Donc j'ai re-regardé la carte, puis bon, et là je tombais sur un village qui s'appelait Saint-Jure. Moi, Saint-Jure, je ne connais pas, moi. Sauf que Saint-Jure, Lorraine, Allemagne, patois local. Donc c'est Saint-Jürgen. Jürgen, en français, Saint-Georges. Et donc là, j'avais, à équidistance égale, Saint-Michel, Saint-Georges. Vous connaissez l'iconographie chrétienne. Ce sont deux personnages qui terrassent le mal, donc Saint-Michel, Lucifer, qui le terrasse effectivement, qui ne le tue pas, qui l'invite à regarder la lumière, alors que Saint-Georges tue le dragon. Il y a un personnage légendaire, mais terrestre, Saint-Georges, qui tue le dragon de l'ego. Saint-Michel cherche à terrasser la partie noire, sombre, mais la réinvite à la lumière, donc ne la tue pas. Et donc il y a une logique de ces deux personnages, Saint-Michel, Saint-Georges. Et puis dit, puisque cet axe doit être plus grand pour un grand axe vertical, qu'est-ce que ça donne si je prolonge? Et en prolongeant, et c'est là que je dis bingo, ça y est, j'ai quelque chose, je suis tombé au bord du Rhin, sur un lieu qui s'appelle Mottern, je ne prononce pas le V en alsacien, donc en anglais, Mottern, je ne vous fais pas la traduction, et de l'autre côté, sur un village qui s'appelle Locrist. Donc j'avais Locrist, qui est l'extrémité la plus à l'ouest du territoire français, et Mottern, qui est l'extrémité la plus à l'est du territoire français, à quelques centaines de mètres près. Mottern, on sait que Bernard de Clairvaux est venu prêcher la seconde croisade à Mottern. Locrist, on sait que c'est un village créé par les Templiers. Et la plage, l'endroit exact où arrive cet axe horizontal, s'appelle Porthiogan, cette petite plage. Et Porthiogan se traduit par port de la lumière, ou par port de Loug. Loug, le dieu gaulois dont on a parlé hier, donc Loug, le dieu de la lumière chez les Gaulois. Donc vous avez d'un côté le Christ, de l'autre côté Mottern. Le nom de ce village avant c'était Matra. Et Matra, c'est la déesse de toutes les eaux. D'accord? Donc vous avez Dana, la déesse des abysses, Matra, qui est devenue Sainte-Marthe, qui était par hasard le nom de ma grand-mère, enfin bon, c'est pas grand-mère, on passe.
Et donc vous avez ici l'ensemble des grands saints chrétiens, et donc encore plus étonnant, si vous faites cette ligne-là sur la carte, vous avez la légende de Saint-Georges qui a été écrite. Ça passe par le nom du village. Saint-Georges, secours, monté sur son destrier, le village s'appelle Destrier, la princesse, donc la mère, Motorne, et une fois qu'il a vaincu le dragon, il monte sur une montagne pour monter à la tête du dragon peuple. Le village s'appelle Volksberg, c'est-à-dire la montagne du peuple. Et exactement sur cette ligne-là, l'histoire de Saint-Georges est racontée. Donc parlez-moi de hasard, j'aurais du mal à vous croire. Alors, voilà. Je passerai sur le fait que Michel c'est mon père et Pierre c'est mon oncle. Néanmoins, c'est intéressant à dire. Et vous avez, bien entendu, encore la surprise, c'est que quand on totalise les écarts entre tous ces lieux, on retombe sur 666. Voilà, c'est de l'ordre du merveilleux. Pourquoi, comment, décision humaine, décision influencée par des choses qui nous dépassent, j'en sais rien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ma vie est très largement influencée par quelque chose qui me dépasse, auquel j'ai choisi de dire oui, envoyé, on verra bien. Et il se trouve que dans mes multiples aventures, un jour à Guérande, je suis du Nord, et je vais rencontrer quelqu'un qui a écrit un bouquin sur les Templiers. Et donc on se rencontre en tant qu'auteur. Donc on va parler une heure de nos bouquins, des Templiers et tout. Et là, le gars m'a dit, mais t'as travaillé sur l'arbre généalogique de la famille de Saint-Omer? Ah, il dit non. Moi, j'ai travaillé sur l'arbre généalogique de celui du voisin, qui est le comte de Saint-Paul, qui est une histoire très intéressante, parce que le blason de ma famille correspond à celui du comte de Saint-Paul. Donc, dans mon arbre généalogique, il y a un des personnages qui a fait des donations de terres. Dans tout ça, je parle il y a des indices concrets, hein. Il y a les cartulaires, vous avez des gens qui ont donné des terres le long de ces croix-là. Et on les retrouve, vous avez les traces. Et donc sur des comtés qui peuvent mesurer 35-40 km de large, vous avez des donations de terres qui se retrouvent exactement sur les lignes ou à 500 mètres des lignes. Ça ne peut pas être un hasard. Donations de terres, soit aux commanderies templières, soit aux abbayes cisterciennes. Ça, c'est historique, c'est factuel, c'est indéniable. C'est indéniable. Et donc, comté de Saint-Paul-sur-Terroise, un de mes noms c'est Fievé, et il y a un village qui s'appelle Fief. Il semblerait que ma famille soit originaire du village de Fief. Il y a une interprétation hébraïque aussi, pour ceux qui connaissent les lettres hébraïques, je te laisserai traduire mon nom en hébreu. Donc voilà, et j'ai fait une digression, mais mon point de départ, j'ai oublié, qui est. Oui, Saint-Omer. J'arrive à Guérande, on discute. Et au bout d'une heure, on me dit, bon, hein, je lui ai dit, est-ce que tu as travaillé sur la voie générique des Saint-Omer? Dis non. Il ne bouge pas, je vais te le chercher. Il vient me chercher ça, et là, il dit, je retrouve le nom exact de la famille du créateur des Templiers, c'est la famille de Saint-Omer Fockenberg, lieu que je connais, puisque Fockenberg est un village à côté de Saint-Omer. Sauf qu'il y a un petit détail, c'est que mon arrière-grand-mère s'appelle Fockenberg. Et qu'en regardant sur l'arbre généalogique, je retrouve les liens de la famille, de ma famille, dans ceux de la famille du Créateur, des Templiers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, j'étais très touché par le message, l'intervention de Françoise sur le côté de la responsabilité de l'héritier. Donc je découvre tout ceci. Moi, je ne savais absolument pas que je pouvais avoir un lien avec cette histoire-là. C'est après mes découvertes, grâce à des rencontres, que je vais apprendre que je suis en fait l'héritier de cette famille-là. L'héritier symbolique, bien entendu. Il n'y a absolument aucune histoire de château ou d'argent que vous traitez dedans. Au contraire, ça me coûte beaucoup d'argent. Je vous encourage donc à acheter mes livres. Alors voilà pour la structure. Très brièvement, je ne vais même pas l'agrandir. Je vais vous parler des symboles qu'on peut y trouver. Bon, allez, vivez. Je ne vous les décris pas, vous allez les reconnaître, sauf éventuellement ceux que vous ne connaissez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le monogramme marial, Ave Maria, le A et le M. C'est une transformation du home oriental. Voilà. Alors ça, évidemment, vous allez y interpréter une figure diabolique, mais ce n'est pas le cas. Ça correspond au pentagramme de la rosace nord de la cathédrale d'Amiens. Cathédrale d'Amiens, dont je vous ai dit qu'elle était dans le paysage et que c'était un lieu important.
et que c'est pas un hasard, c'est la Rhodos Nord, ça correspond à un passage biblique, et qu'il faut passer par cet état-là pour pouvoir ensuite rencontrer la lumière intérieure. Bon, voilà, je passe. Vous avez la possibilité d'y voir, évidemment, l'arbre des séphirotes. Alors là aussi, je passe sur qu'est-ce qui me fait correspondre, mais chaque lieu a une correspondance qui peut être absolument évidente avec les différentes séphirotes, sauf que c'est inversé. C'est en miroir, en fait. Vous avez la partie, on dirait, féminine du côté est et la partie masculine du côté ouest. Il y a une certaine logique, c'est en fait, c'est le microcosme est en miroir du macrocosme. Donc, bon, je passe sur les correspondances, ce serait trop long. Une autre chose qui est intéressante, il y a dans une forteresse en Dordogne qui s'appelle Dom, ce graffiti qu'on considère comme étant le graffiti du Graal. Les Templiers, après leur arrestation, 72 Templiers ont été emprisonnés à cet endroit-là. Et ils ont laissé des graffitis sur les murs, gravés dans les pierres. Et ce graffiti, je le trouve très étonnamment ressemblant à ce truc-là. Quand on se prend dans l'histoire de la littérature, donc les textes de Chrétien de Troyes, de Wolfram von Eschenbach, qui sont les premiers à parler du Graal, vous apprenez que les Templiers sont les gardiens du Graal, vous apprenez que Mont-Salvache est le château du Graal, or moi je viens de vous parler de Mont-Salvi. D'accord ? Et de façon encore plus significative, je vais dire, il y a des graffitis qui se trouvent dans l'église de la rue Saint-Pierre, je vous ai parlé tout à l'heure, et un autre qui est dans l'église de Bilk. Bilk, c'est l'église, c'est le village qui est juste à côté du lieu-dit Lacroix. Vous avez Blandic d'un côté, Bilk de l'autre. Donc le lieu-dit Lacroix, qui est le démarrage de Lacroix, est entre les deux. Et il y a un graffiti commun à l'église de la rue Saint-Pierre, et qui sont toutes les deux des églises du 11e, 12e siècle. Okay. Ce graffiti est celui-là. Hein, voilà, vous l'avez ici. Et évidemment, il est assez aisé de le retrouver avec les différents alignements. Évidemment, c'est un travail interprétatif, mais il me paraît assez évident à faire. Donc voilà pour les différents symboles que je peux y voir. La question du graal. Et celui-ci, quand même, il faut en parler. Que à la fois les rois et les Templiers ont voulu inscrire sur la France, c'est la Jérusalem céleste. Il y a vraiment des références à l'Apocalypse de Saint Jean, à la structure de la Jérusalem céleste selon l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc, si je lis ces extraits, hein, au milieu de la Jérusalem céleste, il me montra un fleuve d'eau vive. Ici, je vous ai dit Awa, Awa, etc., l'eau. Et là, nous avons très exactement l'aigle vive sur l'axe central, à équidistance, encore une fois, de la grotte de Lourdes et de la grotte de la Sainte-Baume. Je ne vis pas de temple en elle. J'ai dit que le premier message, celui des rois, ce sont des cathédrales, des églises, des abbayes. Là, le message des Templiers, je ne vis pas de temple en elle. Ce sont juste des propriétés qui ont été achetées, qui ont été nommées. Et grâce à ces noms, à partir du moment où on a les distances et les alignements, on regarde la carte et on se rend compte qu'à chaque endroit, il y a trois ou quatre lieux-dits dont l'appellation est significative. Et si vous les reliez entre eux, vous trouvez le sens de ce message initiatique et les différentes étapes à franchir. Le plus flagrant, c'est celui-ci au centre de l'étoile. Donc je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Voilà. L'agneau les conduira aux sources de la vie. Ce centre ici, vous voyez le blason d'un agneau. C'est un personnage historique totalement oublié de l'histoire. On va comprendre pourquoi. En fait, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Eudarpin, qui était seigneur de Dun, enfin, c'est la ville de Dun, 30 km de Bourges. Ce seigneur de Dun est devenu par mariage vicomte de Bourges. Bourges, à l'époque, c'est un détail, mais c'est intéressant, parce qu'il y a un lien avec l'Angleterre. À Bourges, vous avez la fille de Guillaume le Conquérant, qui est mariée avec Étienne II. Ce vicomte de Bourges est marié avec quelqu'un qui est effectivement... Ce seigneur de Dun est marié avec celle qui est responsable de Bourges, qui elle-même est dame de compagnie de la cour de Blois. Et à la cour de Blois, vous avez Étienne de Blois et vous avez son épouse qui est la fille de Guillaume le Conquérant. Ces gens-là vont donner naissance à trois rois mouais. Étienne Ier, il y en a trois. Donc on n'a pas affaire à n'importe qui. Et en tant que mari de la dame de compagnie, Eudarpin est souvent dans la cour de Blois. Il va perdre son épouse et là, il va, par dépit, il va partir en croisade. Il va être fait prisonnier en 1120, et
probablement par l'émir de Damas ou celui de Bagdad, on ne sait pas. Il est fait prisonnier pendant 2 à 3 années, et on a ses aventures dans les travaux d'un Normand qui s'appelle Ordéric Vital, les chroniques de Normandie. Et on trouve également ses aventures dans des œuvres de Grindor, de Douai. Ce sont des gens de l'époque. Hein. Et ces gens-là nous disent, nous racontent ce qui s'est passé après son retour de captivité. Il a appris des choses extraordinaires, inconnues des chrétiens. Et ce gars-là, à la cour de gloire, eh bien, il a tenu sur ses genoux quand il était enfant, qui donc, le petit frère d'Étienne de Blois. Et qui est le petit frère d'Étienne de Blois ? Il s'appelle Hugues de Blois, que vous connaissez mieux sous le nom de Hugues de Champagne, qui a financé l'abbaye de Clairvaux, qui était un grand ami très intime de Bernard de Clairvaux, il y a des courriers qui le prouvent. Et donc, ce Hugues de Champagne est censé être également le seigneur de Hugues de Pas. Ce n'est pas impossible que ce soit un peu plus complexe que ça. Donc, Hugues de Champagne, élevé par sa mère, par son père, mais aussi par un tuteur qui est Eudarpin. Ce Eudarpin apprend des choses extraordinaires inconnues des chrétiens. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Si le chroniqueur nous prend la peine de dire que c'est inconnu des chrétiens, c'est des affaires religieuses. Dès qu'il est libéré, il va voir Alexicomnène, empereur de Constantinople, il passe voir le pape. Il était déjà copain avec le roi, puisqu'il avait vendu ses terres au roi de France, la terre de Beauce, c'est là que Beauce rentre dans le royaume de France, et il est très proche de ceux qui vont être trois rois d'Angleterre. Excusez du pape. Pour moi, Eudarpin, c'est la source et la racine intellectuelle des Templiers. C'est lui qui va indiquer à Hugues de Champagne, tu sais, j'ai appris des choses extraordinaires, probablement liées à une influence juive qui était existante déjà de la part de Rachid de Troyes, mais ça c'est un autre sujet, et à une influence musulmane, soufie ou ismaélienne, c'est probablement. Et donc il découvre que ce que l'Église de Rome a raconté n'était peut-être pas tout à fait ce que d'autres religions croyaient. Et là on lui dit, mais ok, d'accord, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer à Cluny, et puis tu te rends compte que ce que tu nous amènes comme hypothèse n'est pas tout à fait recevable dans notre cadre. Et donc de là, je pense qu'il en parle à Hugues de Champagne, et Hugues de Champagne va se dire, ok, il faut creuser. De là, pour moi, le départ de Hugues de Champagne en Terre Sainte, et au fouillé, au trouvé, au essayé. Et de là, la création d'un message ésotérique, qui n'est pas dans les cathédrales, qui est vraiment un message initiatique parlant du cheminement de l'âme. Alors, ici, comme par hasard, aujourd'hui, nous avons encore un élevage d'agneaux. Cet élevage d'agneaux est tenu par une famille depuis 300 ans, qui s'appelle la famille de Lamerville, à laquelle j'ai appris un certain nombre de choses sur sa propriété, parce que j'ai fouillé, trouvé des trucs. Donc le propriétaire depuis 300 ans avait moins d'informations que moi sur ce lieu. Et à la fin, j'étais pressé, je ne m'étais pas présenté pour des raisons de rapidité, je l'ai réveillé, etc. Donc je me suis présenté qu'à la fin de l'entretien. On reste en contact, hein, voilà. Comment vous appelez-vous ? Allez, je m'appelle M. Fiévet. Si. Et il me regarde avec des yeux comme ça, M. de Lamerville, nous sommes au centre de l'étoile sur la France, à Dun-sur-Oron, dans la campagne. Vous êtes parent avec le maire du village ? L'ancien maire, il dit, comment ça ? Je ne suis pas de ce village-là, moi, je ne suis pas de cette région-là. Oui, Madame Berthe Fiévet. Devinez comment se prénomme ma maman ? Berthe. Il y a deux Berthe Fiévet en France. Monsieur de Lamerville m'apprend que la mère de la ville a le même prénom et le même nom que ma mère. Quand je vous disais que j'étais un peu héritier, le problème qui va avec, c'est que vous avez entendu, je fais un, responsabilité, deux, risque. Et là, je rejoins tout à fait François, c'est que on dit oui ou on dit non. On dit oui ou on dit non à ce genre de choses. Bref, allez. Dans les 3 minutes qu'il me reste, je vais donc balayer. Alors, il y a des correspondances. Hein. On peut faire des correspondances avec le carreau de façon évidente. Il y a certains lieux. Un lieu qui s'appelle le démon. Ouais, ça correspond au diable, évidemment. Ouais. Je passe, mais il y a une correspondance évidente avec le tarot, avec les chakras. Et vous avez évidemment la signification de la rencontre. Celle-là, je vais la passer. Voilà. Si je relis les différents triangles avec leurs composantes,
Vous avez un triangle masculin, Saint-Michel, Saint-Georges, l'Aubrespie, l'Aubrespie c'est l'Aubépine, l'Épine, je vous fais un dessin vulgaire, hein, voilà. L'Épine chez les Templiers, c'est en fait c'est Spica. Spica, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge, qu'on peut traduire par Épine. Oui, Épine. Donc, voilà, vous avez le masculin qui est la pointe en bas, comme tout masculin bien élevé devrait pouvoir se comporter, et vous avez le féminin qui, lui, aspire au ciel. Féminin, donc, Marie, Marie-Madeleine. Et ce féminin aspirant au ciel va accepter de rencontrer le masculin. Et en acceptant de rencontrer le masculin, voici ce qu'il se passe. Le féminin va rejoindre la lumière vert, ou le Père, la source, et à partir de ce moment-là, vous avez la création du tout, de l'unité. Voilà. Donc c'est là que je voulais vous la montrer, parce qu'il y a vraiment ça qu'on trouve là-dedans. On peut trouver cette rencontre du masculin et du féminin de façon différente dans ces deux œuvres. Et donc, la minute qui me reste, j'évoque, pareil, mes travaux antérieurs. Donc ça, c'était avant de faire toutes ces découvertes. J'ai un système qui est basé sur la spirale dynamique que certains connaissent, que j'ai extrapolé, développé, etc. Donc j'ai gardé le code couleur de la spirale dynamique, mais j'ai inclus ça dans différents symboles. Et donc, des années et des années avant de faire toutes ces découvertes sur la France, j'avais élaboré un nombre de schémas avec les fonctions psychiques et les développements, on va dire, psychologiques, le triangle du bas, et le développement spirituel, le triangle du haut. Là, des deux triangles séparés, différentes fonctions psychiques, un ordre, etc. Très pointu. Évidemment, on aspire à la rencontre de ces deux triangles, et vous voyez très exactement ce que je viens de vous décrire. Alors ça, c'est l'interprétation que je fais, mais bon, encore une fois, ça m'a paru tellement évident que je ne pouvais pas faire autrement. Donc voilà les différents schémas, bon, il y en a 800 en tout, donc là vous en avez 34, qui sont issus de mon cerveau avant même de faire toutes ces découvertes. Et je vais juste vous montrer celui-ci. Les clés du passage, pour terminer. Donc le triangle du bas, pour moi composé des différentes dynamiques de l'ego, avec des fonctions psychiques correspondantes. Et le triangle du haut, ce que j'appelle les dynamiques de l'essence, ou du soi, appelez-le comme vous voulez. Donc les élans. D'un côté, les besoins, avec leurs dons, les besoins et les désirs. Et de l'autre, les élans, ceux qui nous portent. Ceux qui nous portent, dont on sait que c'est là que je dois être. Et c'est à ça que je dois dire oui. Mais donc, vous avez une petite corde qui pend entre le haut et le bas. Beaucoup de gens me disent, ah bah ouais, la corde c'est pour se hisser au niveau supérieur. La corde, c'est pour faire descendre le niveau supérieur à l'intérieur de nous. Ça s'appelle l'incarnation. C'est sur cette terre que nous avons à agir. Nous n'avons pas à monter dans l'altitude. C'est sur cette terre que nous devons agir. Il semblerait que la France porte en son sol un message essentiel pour nous rappeler tout ça. Et donc, au final, c'est ceci que nous devrions obtenir. Vous comprenez évidemment que ça n'a pas forcément plu à ceux qui se référaient que à la croix. Mais dans les clés, je vais conclure là-dessus. Le cercle, vous comprendrez le symbole. Pour moi, j'y mets la conscience. Nécessité de la conscience. Le triangle, qui permet l'objectif, je vais vers, c'est la rencontre. C'est le je tu. C'est la façon dont mon jeu rencontre ton tu, la qualité que j'y mets, les différentes fonctions psychiques que j'active ou non, qui vont faire que je vais pouvoir, grâce à la relation, et tout ce qui s'y passe de positif, de négatif. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a de l'agréable et du désagréable, il ne faut pas confondre. Et donc, grâce à ce qui se passe dans la relation, j'ai la perspective de pouvoir grandir, de pouvoir comprendre. Et la clé du milieu, ça je voulais conclure là-dessus, moi, j'y vois la pensée symbolique. La pensée symbolique, c'est la rencontre entre la pensée purement mentale et la pensée anagogique. La pensée anagogique, c'est le da'at de l'arbre de Séphiroth. C'est même plus une pensée, c'est la connaissance infuse, c'est ce qui nous vient de notre connexion. Et la pensée symbolique nous permet à la fois d'activer un peu le mental, mais également d'activer l'émotion, d'activer l'intuition, donc de donner au mental une autre source, une autre inspiration.
Et à ce moment-là, la pensée symphonique permet d'arriver dans quelque chose qui n'en fait plus une pensée, qui est une connexion avec ce que l'univers nous apporte. Il semblerait que peut-être sans le vouloir ou sans l'avoir cherché, mais après quand même un certain nombre d'années de méditation, de pratique et d'évolution intérieure personnelle, j'ai été amené à contacter un peu par hasard cette pensée analogique que je remercie puisque c'est elle, largement influencée par l'univers, qui m'a apporté toutes ces découvertes.